c'est bien moi. Vous avez peut-être un peu de mal à me reconnaître. Je suis bien bien emmitouflée, hein. Mais je suis toujours en Australie, hein. Je suis toujours dans le bush. Mais contrairement à certaines croyances, en Australie, fait pas toujours chaud, hein. On crève de chaud, oui, mais il y a certaines périodes où on a aussi très froid. Pour preuve, regardez ce matin, le capot de pépère, c'est de la gelée. Et pourtant, on a pris le temps ce matin pour se lever, hein, parce qu'on sentait qu'on n'allait pas avoir chaud. Donc le soleil commence à monter là, il va bientôt se mettre à bosser. Et je serais pas étonnée que cet après-midi, on soit en t-shirt. Ouais, c'est ça l'Australie, c'est les extrêmes. Allez, à bientôt! Alors là, une deuxième colonne, ça doit faire 30, ouais, 30, 35 à peu près. Allez, on continue. Une deuxième colonne. On s'encourage comme on peut, hein. Quand il y en a un qu'on trouve, il prévient l'autre. Il dit à peu près la taille, comme ça. On sait à peu près le chiffre qui monte. Bon, alors, un trou, bah, vous voyez, hein, j'ai creusé un petit peu. On est à quoi, 3-4 cm de profondeur. C'est vraiment léger. Par contre, là, on est dans une zone où celui qui est passé avant, il a bien ramassé. Hein. Là, on voit, là, il y a deux trous, là. Il y en a un ici, là, rebouché. Il y en a un derrière le tronc d'arbre. Donc moi j'ai fait celui-ci, j'ai fait celui-là, j'ai fait celui qui est juste devant la voiture. J'ai fait donc celui-ci, celui qui est juste devant la voiture. Mais là il y en a au moins une quinzaine sur peut-être 100 mètres carrés, ouais, il y a une quinzaine de trous. Là ça allait vraiment le coup de passer les premiers. Malheureusement nous sommes les deuxièmes et troisièmes. Mais bon, on aurait pu ne pas venir et pas en trouver ici. Allez, on continue. À plus tard.
Alors, j'ai mis le haut-parleur derrière l'appareil photo. J'espère que vous allez entendre le son. C'est pas un son habituel. Non, c'est pas celui-là, hein. Ça c'est la pioche qui vient de tomber. Allez, on y va. Vous entendez là? Allez, je vais augmenter un peu le volume pour que vous entendiez mieux. Allez, assez joué, on y va. On va la chercher. Tenez-vous bien. On baisse le son. Voilà. Reculer un peu parce que là vous risquez d'être prêt. C'est bien d'être près de l'action, mais trop près on peut avoir des projections. Allez. Ils sont intéressants. Tant qu'ils s'en vont, c'est bien. Tant qu'ils s'en vont, c'est bien. Allez, ce matin, on a eu une voiture qui est arrivée, qui s'est mise pas très loin de nous, à peu près à 200 mètres. Nous, on n'aime pas ça. On n'aime pas aller près des gens. Et on n'aime pas quand les gens viennent trop près. Les terrains sont assez grands, hein. On a plus de 10 000 hectares de terrain là, alors c'est un poisson moins. Alors on considère que 10 000 hectares, ça laisse de la place pour que les autres s'y mettent. Oui, c'est un terrain énorme sur lequel on est là. Et on a à peu près 2 mois et demi pour être dessus à chaque fois. Après, il faut laisser. Passer 2 jours, refaire une demande. Attendre encore 3 semaines. En fait, tu viens 2 mois et demi et après pendant 1 mois tu peux pas venir. Intéressant, hein, ce son. Sorti. Hop, on prend l'appareil photo à la main. Alors c'est par là que ça va jouer, alors on va aplatir tout ça pour que je puisse poser mon détecteur. Voilà. Et ben, je vais vous remettre par là. C'est pas mal là. Je vais enlever la tête un petit peu. Voilà.
là déjà. Allez, dans la main. Eh ben, elles sont bizarres pour une pépite toute plate. Mais elle est là. Regardez-moi ça. Toute plate. Sûrement une deuxième colonne. Eh ben, je suis content. Une de plus. Hop. Non, pas de conneries, ça changerait. Deuxième colonne. Deuxième. Ah ouais, j'espère. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Il n'y a rien d'autre. Et on va reboucher ça. Hop là. Important de reboucher ces trous. Et voilà. Voilà. Un bon trou rebouché. Voilà, on avait bien creusé. Hein. C'est profonde celle-là. Le principal, c'est qu'on l'a eu. Allez, on continue, il doit y en avoir d'autres. Alors, nouveau son. Alors on va aller la chercher. J'espère que c'est jaune. Allez, on y va. Ah, j'ai déjà sorti. Oh, ça sonne fort. Ou alors ça serait deux pépites. Allez, on va déjà faire ça. C'est déjà arrivé il n'y a pas longtemps, hein, deux pépites proches. Dedans. Ça c'est jaune, donc ça c'en est une. Et juste à côté j'avais un autre son, alors hop, je la mets dans la boîte avec les autres. Alors, on va aller voir l'autre son ce que c'est. Oh, ça sera trop fort ça. Deux l'une à côté de l'autre. Appelle là. Et par là toi. Alors. C'est pas loin, c'est pas
pas loin, ça se précise. Alors. Hey, je vois du jaune. C'est trop fort ça. Et voilà, encore deux lunes à côté de l'autre. Ah, c'est fort ça. Hop. Il y en a d'autres ou il n'y en a pas? Il n'y en a pas d'autres. Sylvain? Oui? Je viens d'avoir deux juste l'une à côté de l'autre. Ah ouais? Ouais. T'as un don aujourd'hui? Ah, je sais pas. Deux là, juste là. Dans le même dégagement? Bah en fait, j'ai un premier son, je dégage. Ouais. Je me tourne, je passe dessus, je dis tiens, le son est là. Puis je vais pour poser mon détecteur, je passe là, oh, bah, j'ai encore un son. Oh, je dis ça ressemble à de la ferraille. Bah ouais.